Une grande journée pour l'Espagne avec cette première médaille d'or en patinage artistique. Alors Sonia Lafuente, elle n'est pas encore là. Elle n'y parviendra sans doute jamais, mais elle progresse année après année. L'Espagnole de 21 ans qui a la particularité d'être originaire des Grandes Canaries. C'est pas forcément là. Alors déjà qu'en Espagne, on ne fait pas forcément beaucoup de patinage, mais aux Canaries encore moins. Et West Side Story. Pour l'instant, elle a son meilleur résultat. Elle est 11e, meilleur résultat, 12e à des championnats d'Europe. Triple flip, un saut qu'elle a également réussi lors du programme court. L'objectif pour Sonia, présenter et réussir le Lutz également, l'autre saut qui rapporte. Et ça passe bien. Eh bien, joli programme, Pascal. Sonia Lafuente a réussi un sans faute. Alors, certes, il n'y a pas des combinaisons triple-trip, certes, il n'y a pas une prise de risque énorme du point de vue technique, mais elle a le mérite d'avoir présenté un programme complètement adapté à son niveau technique et artistique également. Programme musique bien choisi. Elle arrive à soutenir le rythme de la musique. Joli programme et elle risque bien de grappiller un ou deux rangs avec ce bon programme libre. J'ai trouvé beaucoup plus sûr. Il y a beaucoup moins d'attente dans les préparations de saut.
D'habitude, Sonia, c'est une patineuse qui attend beaucoup avant de réaliser chaque saut. Là, c'était beaucoup plus fluide. Joli programme. Ouais, une grande maturité, ou en tout cas une maturité nouvelle sur la glace. On lui reprochera peut-être, si on compare à des patineuses russes, par exemple, elle a moins de glisse, moins d'amplitude sur la glace. Mais on préfère de loin voir des programmes propres comme cela, parce qu'on apprécie beaucoup mieux la chorégraphie et le rendu du programme dans son ensemble. Ah, c'est tout un art hein, de mesurer le risque. Voilà, ça c'est la seule petite erreur, mais bien rattrapée. Un double 3 entre le triple Rydberg et le double boucle piqué. Ça me joue bien dans les coulisses. Hein. Toujours de la musique en fond. On peut inventer des chorégraphies aussi dans les coulisses. Cette pirouette cambrée, c'est l'élément qui va lui rapporter quasiment le moins de points puisqu'il y avait peu de difficultés. Il faut une variation de plusieurs positions différentes dans ces pirouettes. Et là, ce sera un niveau 2. Elle a visiblement été dopée hein, par la victoire de son compatriote. On compare avec la patineuse allemande. Logiquement, Sonia Lafuente, qui était pourtant placée derrière, devrait lui passer devant avec ce quasi sans faute. Elle doit faire 96,45. On est largement au-dessus avec son 1,22. Un total de 152,29.